you're gonna lean into me, make sure you feel the heat. You can take what you want, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor down to your knees. I'm not betting on a miracle to give me. To ask if I should go or I should stay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. On est mercredi et il est 10h50. Donc là, ce qui est prévu, c'est que je me prépare tranquillement. J'ai posé un masque de chez Sabon. Voilà, j'essaye de le terminer tranquillement. Voilà, donc je suis très loin de l'avoir terminé. Pourtant, je l'utilise assez régulièrement. Donc il est plutôt pas mal, je vous cache pas. Bref, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui me demandent pourquoi, Imen, tu mets pas de masque au niveau du front, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Je mets vraiment au niveau des zones où j'en ai un petit peu plus besoin, et aussi parce que j'ai la flemme, parce que on va pas se mentir, mais les masques à l'argile, c'est galère un petit peu à enlever. Donc voilà, c'est juste pour pas me compliquer la tête. Donc je vais finir de me préparer et je vous retrouve tout à l'heure. Make sure you feel the heat. You can take what you want, but when you take it from me. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Regardez comme c'est mignon, j'ai mis une petite pince là, comme à l'ancienne, vous savez, pour la frange. Parce que j'ai pas eu totalement le temps de me les sécher et surtout de me lisser au niveau de la frange. Donc j'ai mis ce haut noir qui vient de chez Bershka. Avec ce pantalon là qui vient aussi de chez Bershka, ça fait 2 ans ouais, que je l'ai et je le kiffe tellement. Au niveau des chaussures, c'est mes petites bottines que j'aime beaucoup. Ils sont vernis et je les mets aussi avec tout et je suis hyper confortable avec. Je sais pas si vous allez les retrouver, mais je les avais achetées à la halle, voilà. Avec, je vais mettre cette écharpe qui vient de chez Primark, voilà. Si je tombe malade, c'est de ma faute, voilà. Parce que sortir la tête mouillée avec ce temps-là, c'est pas très intelligent. Bref, c'est pas grave, j'ai un rendez-vous, oui je vous l'ai pas dit, donc je vais me dépêcher et ensuite faut que je passe à la poste parce qu'il faut que j'aille récupérer un colis. On est le lendemain, hier je crois que je vous avais laissé à la maison, j'ai eu donc un rendez-vous qui a duré très très longtemps, donc c'est pour ça qu'après je suis rentrée à la maison, il était 17h, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais pas continuer à vlogger, il fait nuit et puis j'avais pas grand chose à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais le faire sur 2 jours, voilà. Donc là, ce qui est prévu, il est quelle heure? Il est 13h50, donc ce matin c'était boulot et là je me suis dit que j'allais sortir un petit peu. Là je vais à Jiffy parce que j'ai eu une carte cadeau, donc je vais aller l'utiliser. Donc je vais y aller et je vous montrerai ce que j'ai pris une fois arrivée à la maison, je pense. Donc ma tenue du jour, elle est assez simple. J'ai mis un haut rouge avec un pantalon comme ça, avec les traces sur le côté de la marque Manoukian. Je sais pas si vous connaissez. Et mes petites baskets blazer Nike. Is it out of your skin? Painted gold on your feet. If you're gonna lean into me, make sure you feel the heat. Je vais pas prendre ma veste parce que... Non, vous voyez pas. Enfin, si, là, vous voyez. Il y a un super beau soleil dehors, ça fait tellement du bien. Donc là, ça y est, je suis arrivée au Jiffy de Servon, pour celles qui me demandent. Je viens essentiellement là. Hein. Franchement, faudrait que je teste d'autres Jiffy. Si vous connaissez des Jiffy qui sont bien et grands, et s'il y a plein de choses à l'intérieur, dites-le moi en commentaire. Ce sera avec plaisir de partir voir s'il y en a d'autres. Bon, je crois sincèrement que ça va poser un gros problème parce que ça rentre pas. Donc il faut que je trouve une solution.
Je pense que j'ai réussi. Ouais, c'est bon, on va faire comme ça. Donc là, je vais rentrer et je vous montrerai ce que j'ai pris une fois arrivée à la maison. A tout de suite. Ça y est, je suis rentrée, donc je vais vous montrer. On va commencer par les deux oreillers que j'ai trouvés. Donc l'oreiller, il était à 7,90€. Donc il est assez simple, mais voilà, j'en aurai besoin. Il m'en manquera encore 4. Non, en fait, je préfère en avoir plus que ce qu'il me faut. Parce que c'est toujours mieux, donc ouais, il m'en manque en gros 4. Après j'ai pris donc des rideaux, ils sont magnifiques, franchement je les trouve trop beaux. En fait c'est des rideaux un petit peu satinés et ils sortent pas du tout pareil à la caméra. Ils sont en fait beige et ça ira pour le dressing dans la chambre. Ça ira parfaitement bien pour cacher les affaires. Ils étaient en promotion, ils étaient à 10€, donc franchement ils sont vraiment beaux. La dimension c'est 140 sur 260 et la référence c'est Cortina. Il y avait en gris et en beige, donc c'est dommage que vous voyez pas totalement la couleur, mais franchement ils sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup, donc ça ira parfaitement bien comme je vous ai dit dans le dressing. Après j'ai pris deux couvertures magnifiques. En fait je sais pas si vous avez vu ma couverture que j'ai actuellement à la maison, c'est exactement le même modèle, mais je l'ai acheté pour beaucoup plus cher à Leclerc l'année dernière. Enfin quoique elle était en promotion, mais elle était beaucoup plus chère que ce que j'ai trouvé à Jiffy. Vous pouvez la retrouver donc à Jiffy. Donc la dimension c'est déjà pour deux personnes, deux places, c'est 220 sur 240. J'ai vraiment envie de l'ouvrir pour voir à quoi elle ressemble, mais j'ai pas envie parce que je sais que je vais avoir trop du mal à la remettre dedans. Donc elle est grise chinée et elle est vraiment toute douce. Je pense que vous voyez à peu près de quelle gris je vous parle. Elle est vraiment trop belle. Et j'ai pris une deuxième pour la deuxième chambre. Il y a trois chambres hein, donc il m'en manquera une troisième. Mais j'ai pris deux, donc gris et un beige. Attendez, je vais vous montrer correctement parce que là vous allez rien voir du tout. Donc c'est un beige comme ça. Alors attendez, je vais peut-être baisser la lumière. Désolée, c'est n'importe quoi là. Voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Ma mère elle a grave kiffé, je les trouve vraiment super beaux. Ayoub il va kiffer. Et en fait l'avantage de celle-ci, pourquoi j'aime bien cette couverture là, c'est que la mienne là actuellement que j'ai, elle est hyper lourde. Et donc elle est parfaite pour l'hiver, mais elle est vraiment très lourde. Et bon en Espagne il fait pas non plus très froid hein, donc ça ira parfaitement bien avec, avec l'Espagne pour l'hiver. Parce qu'elle est à la fois chaude, mais elle est à la fois hyper légère. Donc elle est pas du tout, j'ai trop envie de... l'ouvrir, mais je sais que je vais galérer donc je vais pas l'ouvrir, mais je vous la montrerai de toute façon quand elle sera dépliée sur le lit. Mais voilà, donc si vous en cherchez, il y en a à Jiffy pour 19€. Après donc j'ai pris pour ma mère cette cafetière parce qu'elle en cherchait une et là elle m'a dit qu'elle l'a réparée, donc c'est pas grave, mais voilà je lui ai quand même pris celle-ci. Donc c'est une cafetière programmable, elle était à 30€, 29€, ouais c'est ça. Elle va la prendre, elle m'a dit, ou soit pour le Maroc, je sais pas en fait. Maman, maman, tu la prends pour ici ou pour le bled? La cafetière? Non, je la garde ici. Tu la gardes? Bah oui, tu peux la mettre. Oui, mais celle-là, elle marche pour l'instant. Bah, tu la mets quand même, celle-ci. Je la mettrai après. Ok, mais tu la mets pas dans la cave. Hein. Ce week-end, voilà. Ok, bah ce week-end, elle a dit qu'elle allait la mettre et je vais vous filmer pour que vous la voyez. Je compte sur toi, hein. Et puis bah c'est tout, Jiffy. Ah non, il y a un autre truc que je vais vous montrer. Et aussi j'ai reçu un colis que je suis partie réceptionner chez ma voisine. Et le dernier colis que j'ai galéré à entrer dans ma voiture, c'est... alors je vais vous montrer. Donc c'est cette étagère là, la référence c'est Chicago. En fait cette étagère elle sera vraiment parfaite pour le salon. Parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà l'idée de décoration que je veux avoir principalement dans le salon et dans l'une des chambres. Dans la deuxième chambre, alors je me disais pourquoi pas faire une chambre colorée avec les couleurs bleu et jaune. Ça doit être grave bizarre, mais je sais que ça peut faire super joli, ou partir sur du neutre comme du beige et du blanc. Je sais pas encore, je vais voir pour la deuxième chambre. Et pour la chambre d'enfant, en gros, ce sera deux lits séparés. En gros, il y aura une chambre avec un grand lit. La deuxième chambre, ce sera, je pense, je vais prendre un canapé-lit. Comme ça, je vais pouvoir faire aussi un bureau là-bas. Et la troisième chambre, ce sera
Ouais, pour des enfants, en gros, deux lits. Je pense que je vais faire ça comme ça. Et donc, en fait, cette étagère, pourquoi je l'ai prise parce que j'aimerais poser des pots de fleurs dessus. Et je pense que ça ferait super beau pour justement mettre un petit peu de couleur avec la verdure, le côté marron, beige. Je pense que ce sera trop beau. J'ai trop trop hâte parce que là, pour moi, encore, tout ça, c'est flou. Mais j'essaye vraiment que tout ce que je prends soit vraiment logique à la décoration que je cherche. Et pas trop prendre pour prendre, mais vraiment... prendre ce qui passera. D'ici là, je vous tiendrai au courant et je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu de la boutique Léaz Boutique. Ça s'appelle comme ça, c'est une petite boutique en ligne. J'ai déjà collaboré avec elle, elle a un Instagram. Alors attendez, je galère. Et elle fait aussi des vidéos sur YouTube. Si vous le savez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc elle m'a contactée, elle m'a dit est-ce que tu seras intéressée pour recevoir encore des vêtements. Parce que là actuellement elle m'a passé un code promo qui est valable jusqu'au mois de décembre. Je vous le mettrai juste ici. Je me rappelle plus exactement du code promo, je crois que c'est Imen Chanel. Je crois, bref, je vous le mets ici. Je suis partie chercher mon téléphone pour vous communiquer les informations. Je suis pas du tout obligée de vous les communiquer là parce qu'en fait c'est pour une story Instagram. Donc ça a rien à voir avec YouTube. Mais quand même j'ai envie parce que je sais qu'elle fait des trucs super jolis. Donc alors en gros le code promo comme je vous ai dit c'est Imen Chanel du 22 au 26 novembre vous avez donc des offres. En fait ça c'est à l'occasion du Black Friday le 23 novembre. Ouais je crois que c'est ça. Ouais si c'est ça, c'est le 23 novembre. De toute manière je vous mets toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si vous me suivez pas sur Instagram parce que je serai sur Instagram pour vous rappeler en fait cette promotion, n'hésitez pas à aller le faire, c'est Imen Chanel, il n'y a pas plus compliqué. Ah, c'est trop bien. Ah c'est magnifique, elle a changé en fait sa carte. Enfin je pense, en tout cas c'est la première fois que je reçois cette carte là. Regardez comme elle est super belle la carte. Ah elle est magnifique. Hello, voici ton code promo, Imen Chanel, ok. Et là il y a un petit mot de remerciement que vous n'allez pas très bien voir. En fait je vous explique pourquoi j'ai commandé cette paire. J'en avais une comme ça il y a 2 ans et je sais pas où est-ce que je les ai mises. Je sais absolument pas où je les ai foutues. Donc je me suis dit il faut que j'en reprenne parce que j'adore ce genre de chaussures, ça passe avec tout. Donc on va voir si la qualité est là, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais c'était exactement ce modèle là que je pensais à recevoir. J'ai l'impression qu'elle va être trop grande. Ouais c'est du 37, on va voir. Alors voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont très très simples mais elles sont trop belles. Moi j'aime trop les bottines. Et celles-ci elles passent avec tout. Elles font à la fois je trouve classe et à la fois simple. Attention c'est les claquettes d'Ayoub hein. Bref ça va absolument pas du tout hein. On est d'accord avec ce pantalon. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont vraiment super choues, j'aime trop. Oh je suis vraiment contente. J'en voulais trop des comme ça. En plus ce que j'aime bien, vous pouvez voir c'est qu'elles sont pas totalement en simili-cuir. Mais ici il y a du daim. Et en fait il y a 3 matières. Il y a le cuir, ça je sais pas quelle matière c'est. Je sais absolument pas. Et là en fait il y a du daim. Enfin du faux daim je crois hein. Mais voilà c'est une matière un peu comme ça. Et avec le petit zip là. Et voilà. Franchement trop trop belle. Après ce que j'ai pris, je me suis dit vu que je suis grande de taille, je pense que ça pourrait aller sur les personnes qui sont assez grandes et c'est les manteaux en ce moment que je kiffe. En tout cas c'est la matière que je kiffe en ce moment. Vous savez comme mon gilet que j'ai eu de chez Zafou, le noir et le beige. Et ben en fait c'est pas exactement la même matière mais ça y ressemble fortement. Alors c'est taille unique, donc déjà normalement je dois pas avoir de surprise au niveau de la taille. Il est parfait. Il est parfait parce que en fait je voulais pas du tout qu'il soit hyper grand, enfin hyper long, mais en fait il est bien. Franchement il est bien au niveau de la taille. Comme je vous ai dit, ne faites absolument pas attention s'il vous plaît à la tenue en dessous parce que ça va absolument pas avec ça. Mais pour que vous ayez une idée du truc. Ah il n'y a pas de poche. Ah si elles sont là, j'allais dire ça c'est dommage. Mais si elles sont là les poches. Donc voilà. Le manteau il s'arrête vraiment au-dessus des mollets. Moi je pensais que ça allait arriver jusqu'aux chevilles. Mais non. Franchement la taille elle est vraiment parfaite. Je vais essayer de vous faire une tenue avec et de vous la poster sur Instagram. Faire une belle photo. C'est beau hein ouais. T'aimes bien? Ouais il est joli. Mais tu sais que c'est taille unique, je pourrais te le prêter aussi. Moi je suis petite. Non mais bah, tu vois moi je pensais que c'était beaucoup trop ah, long non, ouais. Ah ça te va bien. Regardez. Oui, moi je suis petite. Coucou. Ah, ça va bien. Bien avec des talons. Ouais. Non, il y a des poches. Ouais. Moi j'aime bien quand il y a des poches.
Ah, ça te va bien, hein. C'est joli. Si vous validez, des petits pouces. Oh. Je vais ranger tout ça parce que là je suis chez ma mère et je vais retourner chez moi et je vous retrouverai tout à l'heure pour terminer le vlog. À toutes. Elle est trop mignonne. Ouais. Ah, mais c'est mignon, comme d'habitude à chaque fois il me laisse un petit cadeau en plus. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un petit collier ou...